Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2, chers amis. Comme vous l'avez vu dans le présent épisode, je n'ai pas eu de son, au niveau de ma voix en tout cas. Oui, c'est le micro qui s'était réinitialisé, donc du coup, en fait, il s'était débranché, rebranché tout seul, vous savez, enfin, la prise USB s'est réinitialisée. Du coup, le micro s'était remis en mode de base, c'est-à-dire en mode mute, ce qui est débile pour un micro, hein, de base. Et du coup, pour me faire pardonner, je me suis dit, tiens, bah, je vais passer le jeu en mode en ligne. Et donc, on va pouvoir voir s'il y a effectivement 300 joueurs sur le serveur avec moi, mais de mon point de vue actuel, j'en doute. Ok, bon, c'est pas grave. Nous avons donc une mission à faire, une mission secondaire aussi à faire là-bas. C'est marrant parce qu'il me semblait avoir vérifié les missions secondaires, je les avais pas vues. Mais pourquoi pas? On y va. Bonjour les filles. C-17, la forme? Tiens, comment on se trouve alors? Quoi de beau? Hey, pas besoin de prendre cet air menaçant, je ne cherche pas à déclencher un combat. Cette fois-ci, notre objectif est Sangoku, nous venons juste de trouver sa trace. J'étais en train de m'y rendre, veux-tu m'accompagner? Laissez Alain se battre, non, c'est l'occasion pour t'affronter Sangoku en personne. Une fois Sangoku mort, tu pourras nous aider à réduire la ville en cendres. Si ça te paraît meilleur, nous serions plus que ravis de t'intégrer à notre groupe. Eh ben écoutez, pourquoi pas? Nous allons devoir battre Sangoku, Sangohan, Krillin et Trunks. En l'occurrence, nous obtiendrons la tenue de C-16 et le barrage de Kenjan enchaîné. Bon, c'est pas des techniques très intéressantes pour moi, encore moins la tenue. Vu qu'en fait, techniquement, ce n'est pas une tenue, mais plutôt un corps hein, qu'il a, hein, c'est un robot. Mip, mort, zip, robot. Pour ceux qui voient la référence. Ah bah merde, je suis mauvais. Hop. Et merde, je suis en train de faire un combo, C-16. C-16, fais pas le con. Merci. Oh, quel dommage. Bien joué. Eh ben non. Mais merde, tu vas me laisser tranquille. Merde, j'ai joué au con. J'ai joué au con. Ça tombe mal pour toi. J'aime jouer au con. Alors question, j'étais au Kaioken x20, mais je reste au Kaioken x20 pour le moment, d'accord. Bon, c'était pas ce qui était prévu, je reconnais. Hop, les... ça fait mal. La musique. Qu'est-ce qui arrive à la musique? Merde, il a d'intérêt que pour C16. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Boum, ça passe là ou pas? Ça passe. Mais je sais pas trop pourquoi, à vrai dire. Ah, j'ai plus d'endurance. Ah. Il a disparu. C'est bien, Sangohan. Boum. Oh, t'es sérieux? Je vois même pas la caméra! Vive les bugs de caméra! Ah merde. Noble guerrier, c'est à moi qui parle? Ah non, c'est à Sangohan. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Faut que t'acceptes ce que je fais. Héron, petit patapan. Et merde. Boum, dégage. What? En plus, il a passé Super Saiyan. Bon. Bon, va falloir qu'on tape un peu plus fort, alors. Et bien sûr. Ah, je voulais m'occuper de Krillin. Ah, apparemment, il n'y a pas que Krillin qui en a après moi. Aïe. D'accord. Bouf. Qui c'est que j'ai touché? Hop. Vas-y. Meurs. Krillin. Non, Krillin s'intéresse plus à moi. Bah écoute, allez bien. Oh. Je reconnais que c'est bien joué. Ça
fait deux fois qu'il me le fait. Hop. Faut que je finisse Krillin. Oh bah merde. Alors j'ai perdu mon copain. Mais ils ont perdu le leur. Rien à foutre. Aïe. Quoi? Mais elle est dure. Elle est carrément dure cette mission. Parce que je vais me retrouver tout seul moi. Sérieusement? Oh, je prends cher! Hop, faut que j'arrive à passer le combo en entier! Boum! Ça suffit? Ça suffit pas! Fais chier! J'en ai eu un! Ça fait un! Plus que deux! Oh non! Gohan! Gohan, tu te calmes, Gohan! Il reste à terre? Comment il me parle mal? Il me gueule dessus en plus, Vegeta! Il est même pas venu m'aider! Tu as laissé notre poids s'échapper, ne t'inquiète pas, le jeu serait trop court si c'était facile. Mais depuis le début du jeu, c'est... Bon, attends, faut que je mette des points. Depuis le début du jeu, c'est facile. Voilà. Depuis le début du jeu, c'est facile, je disais donc. Pourquoi ça changerait? Donc, focus Son Goku jusqu'à ce que Krillin arrive. Quand Krillin arrive, on focus Krillin. Et faut essayer de l'avoir avant que Trunks, lui, n'arrive aussi. Hop. Bien joué. Hop. Ok. Ça se passe pas si mal. Bien joué. Mince. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est qui m'appelle? Ah non, c'était un message, excusez-moi, chers amis, ça m'a surpris. Excusez-moi. Hop. Je prends un savon. Ah là là, allez! Goku! T'arrêtes tes co... Mais merde! En plus, le temps que je fasse ça, il y a eu des gens qui sont arrivés! Ah mais Goku! Goku, j'ai dit que je devais te buter d'abord! Krillin. Hop, on focus sur Krillin. Et là, là, oh, bah, tant pis. Krillin. J'ai honte. Krillin m'a mis une belle baigne. Hop. Ça se passe assez bien. Pour l'instant, je suis en train de chercher s'il n'y a pas d'autres personnes qui me focus. Merde. Krillin, Krillin! Krillin, comment peux-tu me faire mal à ce point? Boum! Ah, faut que j'arrête de bouger parfois, je pense. Allez. Allez, viens. Hop! C'est bon. Je viserais bien Gohan qui est en... Je m'en doutais. D'accord. Hop. Ça touche quelqu'un? Personne.
Alors si c'était un super Kamehameha, on a échappé à la mort parce que le super Kamehameha maintenant fait plus de dégâts à une personne qui est en train d'être projetée loin. En fait. Je me suis dit qu'il allait me rush dessus. Ah la vache. Ah la vache. Je suis pas aidé par ces 16, j'ai l'impression. Hop. Ça y est, il me... Ah bah les trois me regardent maintenant, ça y est, voilà autre chose. Hop, faut que je me dépêche là à mon avis. Allez, ah bah plus personne me regarde d'un seul coup. Pourquoi pas. Ok, on va rester à l'arrêt. Allez viens. Hop. Je t'ai attendu, reviens. Hop, repars. Voilà, c'est bon. Ça fait deux. Trunks du futur qui doit être un peu plus faible, je pense. Merde. Alors là, par contre, je vais en avoir deux sur la gueule, ça va être violent. Oh non. Hop. Bien joué. Oh non, mais pourquoi quand moi je fais ? Hop là. Hop. Allez Marcus. Faut que ça touche. Merde. Hop. Ils ont toujours beaucoup plus d'endurance que moi par contre, hein, je veux pas dire mais... C'est fini. On en chie. Aïe. Oui, celui-là, par exemple, il fait mal. Oh la vache. Oh non. Oh non. Il me passe une chope à cet endroit. Oh, mais la vache. Bon, bah, cette mission est pas possible pour le moment. Je fais pas assez de dégâts, j'ai l'impression. Je sais pas, j'arrive pas à la passer, en tout cas, sans objet. Bon. Vas-y, parle-moi mal, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Vegeta, tu peux m'aider ou pas? J'avais raison à propos de toi, ton potentiel est absolument épatant. Hé, hey, voyons ce qu'on peut en faire. Ils ont découvert toute la puissance qui sommeille en toi, que je m'en charge, que tu le veuilles ou non. Tu es là pour t'entraîner, n'est-ce pas? Ah, il a un autre truc à me donner? Ah bah non. Je suis vexé, bonjour. Du coup. On m'a dit d'aller voir à la capsule corp Vegeta parce que apparemment je suis passé à niveau 40 et quelque chose et du coup fallait que je fasse quelque chose. Donc je veux bien. Faut que je parle apparemment à Gotenks et à Bulma. Ça m'étonne Gotenks parce que je suis pas encore dans ce. Puis je l'ai pas vu quoi. Son Goten, Trunks, donc voilà, y a pas de. Bonjour. Je me demande comment Sangoku, je n'ai pas vu longtemps, mais il passe son temps à s'entraîner comme Vegeta. D'accord. Oui, il a pas de quête là pour le moment. Encore plus fort, il va peut-être gagner le championnat du monde. D'accord, ok, ça je veux bien. Pourquoi pas. Trunks. Qu'est-ce que tu veux pour la machine? Faut demander à ma mère. Je suis Trunks, c'est ma mère qui a fabriqué la machine. Cool, non? What? Ah! Est-ce qu'il avait ça tout à l'heure? Je crois pas. Je vais te poser une question. Est-ce que tu sais pour ton entraînement que tu peux Est-ce que c'est pour ton entraînement que tu refuses de te transformer en Super Saiyan? Hé, hey, attends une minute. Me dis pas que tu, malgré ta puissance, tu ne peux pas te transformer en Super Saiyan. Incroyable! Pourquoi est-ce impossible avec une telle puissance? Ne penses-tu pas pouvoir être plus que ce que tu es? Je pense que tu n'arriveras pas par toi-même. Faut que je retrouve la voix. Bon, je vais t'apprendre. Mais en tant que Saiyan, tu me fais pitié. Allez, je vais te montrer comment devenir Super Saiyan. Enfin non, voilà ça que j'aurais dû faire depuis le début. Je vais te montrer comment te transformer en Super Guerrier. Attends, pourquoi est-ce que je devrais t'apprendre ce genre de choses? Même si tu veux vraiment devenir Super Guerrier, parle à ma famille. Même si je ne peux rien garantir. What?
C'est pas ce que je viens de faire, c'est pas... je pensais que c'était parce que j'avais parlé à sa famille que ça avait débloqué. Bulma! 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 Pourquoi tu veux-tu en savoir plus sur la fois où Vegeta se transforme en Super Saiyan pour la première fois? À cette époque, Vegeta cherchait sans cesse à vaincre Sangoku. Un jour, il a réalisé qu'il avait atteint sa limite et ça l'a tellement énervé qu'il s'est transformé, ce qui est débile. Les gens auraient plutôt baissé les bras dans cette situation, mais pas Vegeta. Oh, c'est mignon. Et Trunks, explique comment? Bah, 8 ans, il. Ou 5 ans, 6 ans, il s'est dit, tiens, je vais pousser un peu pour voir où est-ce que je peux aller. Ah, tiens, puis je peux devenir blonde d'un seul coup. Bon, bah, écoutez. Super, super guerrier? Attends, tu ne sais pas te transformer en Super Saiyan? En Super guerrier, vraiment? Et tu viens me demander conseil? Bon, d'accord, je vais te faire une fleur. Pour devenir super guerrier, tu dois augmenter ton ki. Non, pas comme ça, avec plus d'intensité. Oui, parfait, exactement comme ça. Enfin, je crois. J'ai toujours pu le faire, donc c'est difficile d'expliquer. Je croyais que tout le monde était capable, mais tu as une grande puissance, donc je suis sûr que tu y arriveras à un moment un peu, avec un peu d'entraînement. Bonne chance. Je pense qu'il a dit bonne chance, je n'ai pas tout lu. Hein, j'ai passé un petit peu. J'ai envie de devenir super guerrier. Bien. Cependant, tu sais probablement qu'il ne suffit pas de comprendre pour y arriver. Je peux, il faut, il te faut, il te faudra plus que ta cervelle pour te transformer. Tu dois réussir, tu dois ressentir comment y arriver. Comment faire, comme si je savais. Mais la colère et les combats à mort semblent aider. Pff, pathétique. Es-tu réellement de la race des guerriers, des super, des Saiyens? Je sais pas comment ils disent la race. Je suppose que je n'ai pas le choix. Bip, bip, bip. Security alerte, j'ai une brèche. Pardon, ça a été mis en quarantaine, c'est bon. Je ne dirais pas que c'est un ami, mais je connais un autre Saiyan au sang pur sur Terre. Nous allons te laisser au bord de la mort. Nous ne retiendrons pas nos coups, alors fais de même. Si tu veux survivre, tu n'auras pas d'autre choix que de te transformer. C'est la seule solution pour les imbéciles dans ton genre. En ton genre. D'accord. Bah, Son Goku et Vegeta, et je gagne le Super Saiyan. D'accord, le Super Guerrier. Agisse après. Ah bah oui, carrément, vous vous êtes dit, bah tiens, pourquoi pas nous transformer avant? Hop. Boum. J'ai l'impression que je vais plus vite qu'avant. Boum. Pour l'instant, c'est facile. Ah, ils sont en Super Saiyan 2 en plus! Ah oui! Joli! C'est sa chope! Oh, c'est sa chope! Elle est tellement stylée! Éveille-toi, Saiyan! Quand les Saiyans utilisent l'éveil Super Saiyan, le guide d'attaque spéciale affiche une liste de formes et leurs coups en ki. La puissance des attaques spéciales augmente et certains autres coups sont modifiés. Les attaques faibles et les attaques puissantes chargées lancées pendant la téléportation te rapprochent de l'adversaire. Les attaques chargées permettront de briser la garde. Toutefois, la génération du ki est ralentie. D'accord. Bah écoute, on va. Ah, je peux pas charger? Bon bah Super Saiyan 2 apparemment. Je vais essayer de charger un max mon ki avec les coups et on verra bien. Hop! Voilà, mon ki est chargé. Ah, Super Saiyan 3! Voilà! Moi, je passe par le 3 et le 2 avant de passer par le 1. Ben alors, Goku? Joli. Joli, joli. J'ai pas de technique aussi. Ah, je suis dans le sol par contre. Hop. Boum! Bah alors, Goku, ton Super Saiyan 3 il sort ou pas? Ah, bah de toute façon, mon ki ne baisse même pas de toute façon. Donc, allez, viens. Boum! Tu viens ou pas? Hop! Je vais me poser, on va bien voir. Plus stylé quand même, hein, je veux pas dire, mais. Boum! Par contre, c'est con si on peut s'arrêter qu'au Super Saiyan 3, quoi. Bon, bah cool! J'ai le Super Saiyan 3. Ah! Reviens en Super Saiyan 3, fais-moi ce plaisir!
Allez! Bah voilà! Tu vois quand tu veux! Pas en Super Saiyan 3! Ah non, Super Saiyan 2, toujours. Ah oui, mais il y a le Super Vegeta et le Super Saiyan avant à l'époque! Mais j'ai toujours pas de technique! J'ai même pas de technique d'esquive! C'est débile! Je garde mon maître pour la fin, bien sûr. Hop! Hop! Ça c'est bon! Crac! Ah, joli! Joli! Ah, raté! Je me prends des coups là. Boum! Aïe 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 aïe. Non, je veux garder Vegeta pour la fin. Boum! Retourne par terre. Là, je fais des dégâts par contre, hein, je veux pas dire, mais. Je fais pas mine de taper comme on dit. Hein. Hop! Ah, je voulais faire la chope sur le cadavre. Bon! Maître! C'est à votre tour de payer! Boum! Ouatatatatatatatata! Je me suis trompé de manga, c'est pas grave! Boum! Ok, ça passe! Joli! Attaque! Ouais, j'ai pas le droit de l'utiliser, moi c'est dégueulasse! Aïe! Oui, je reconnais que là j'ai joué au con. Hop, allez, viens! Joli, joli. Ah, j'ai pas le temps. Ah, blablabla. Ah! Il est chiant, j'ai pas le droit d'utiliser les miennes, moi. Hop, retourne par terre. Tu as surpassé le... Oui, bah oui, je suis Super Saiyan 3, donc et oui, c'est là qu'est tout le talent. C'est cool, cela dit, c'est vraiment cool. C'est Bulma? Bulma qui me félicite. Elle préfère les hommes aux cheveux longs. Ça va? T'es pas trop dégoûté? Aujourd'hui, tu as enfin compris comment te transformer, rien de plus. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour moi. J'avais besoin d'un nouveau partenaire d'entraînement. Si tu tiens vraiment à me remercier, continue de gagner en puissance et rends-moi fier de toi. Les épées sont des techniques qui peuvent être équipées depuis l'écran. Modifie les techniques. Ils permettent de changer ton apparence, d'améliorer tes attributs, de modifier certaines animations et de mettre en avant les caractéristiques de la race qui les utilise. Certains éveils sont accessibles à toutes les races, d'autres non. On va la mettre, hein, je pense. Hein. Hop. La sortie, c'est par où? C'est par là. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On a enfin le super guerrier. On est enfin des super guerriers, chers amis. C'est la fête. Du coup, pour la blague. Je suis curieux de voir si je peux taper un peu plus fort sur cette quête. Et voir si ce simple éveil peut changer tout le jeu. Je pense que ça vaut le coup de le voir. On va bien voir, on va vérifier. Hein. Qui sait? Et moi, ce que j'aimerais avoir, c'est le Super Vegeta. Je crois que le Super Vegeta permet de taper plus fort. Pourquoi il y a CCS juste là? Ah non, c'est juste pour de l'énergie, d'accord. Ok, allons-y. C'est moi qui vais faire ça? Hop les. Ah la vache. Hop. D'accord, donc j'ai du coup l'avantage sur Sangoku sur ses priorités d'attaque.
Ok. Ok, parfait. Donc là, on va attaquer Krillin. Merde, il m'attaque pas. Il m'attaque pas. Hop, c'est bon, Krillin est enfin intéressé. Bon, tu peux rien faire face à un super, super guerrier, Krillin, normalement. Hein. Je te le rappelle au cas où, mais... C'est fini. Voilà. Donc, le super guerrier, c'est Badass. Sangohan. Je vais m'occuper de Krillin d'abord. De Trunks d'abord. Ah, tiens. Bah, apparemment, il y a Sangoku qui est... intéressé par moi. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, je préfère m'attaquer à Trunks. Quoi? D'où est-ce que je le bouffe? Hop, parfait. D'accord, déverrouillé pour une raison que j'ignore. Hop. Je prends quand même énormément de dégâts, je veux pas dire, hein. Ah la vache, oui. Pense-y, Marcus. Ah non, 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 non. Tu peux la garder, cette technique. Hop. C'est, tu pourrais t'occuper des deux trous du cul qui me collent aux fesses, d'ailleurs, au passage. Tellement de discours de fesses dans ce... Ah, bien joué. Il a complètement mind. Merde. Hop. Oh non, je suis pas d'accord. Faut alors que j'aille voir une copine. Oh, si son Mazenko me touche, j'ai peur. Hein. Salut. Merci. Boum. Ça te fait mal? J'espère qu'il va quand même se transformer en Super Saiyan 3. Je vais prendre. Ah, je teste quand ils font ça. Hop. Ah, il me saoule. Oh, joli le Mazenko. Il est rapide à balancer, dis donc. Non, pas de Mazenko cette fois-ci. Ah, c'est pas grave, ça valait le coup. Boum. Oh, raté. Boum. Non, je suis pas d'accord. Coucou, Goku. Ah, ici là, je me suis bouffé. Alors. Fais-moi ce plaisir. Fais-moi ce plaisir, Sangoku. Hop, excusez-moi, j'essaie de trouver en fait les pieds de mon machin. What? Mais tu pourrais au moins être verrouillé dès le début du combat. Hop. Tu sais quoi? Regarde. Ouf. Joli. Bouffe ça. Voilà. Je me suis dit qu'une demi-barre de vie, ça devrait faire du bien.
Hop. Crac. Hop les. Pas bon l'œil. Donc le Super Saiyan change tout. Le Super Saiyan change absolument tout. Voilà la différence de puissance. Même si on l'a qu'en B, moi ça me suffit, je m'en fous. Je suis bien content d'avoir ce que j'ai obtenu. Ce Super Saiyan a changé là. La comment le la mince la fin du combat, la finalité du combat, le résultat du combat. C'est pas ça que je cherche. Ce résultat a changé là. Ah, il y a un mot que je cherche mais je trouve plus. Félicitations, tu as gagné. Tu sais, tu te débrouilles plutôt bien. Bon, qu'allons-nous faire ensuite? D'accord, ok. Ok. Cool. C'est Trunks, une... Non, c'est pas Trunks, c'est l'autre toutoun là. Quelle heure il se fait? Ça fait combien de temps que l'épisode a commencé? Une demi-heure donc. Est-ce qu'on l'arrête là? C'est la maison de Boubou. Ça c'est Tenshinhan. Non, on va aller voir quand même. Miss, j'ai rien dans le pantalon. Faut que je fasse quoi? Que je la vise? Que. Kaioshin du temps. Bonjour. Salut, alors, comment ça s'est passé? Je parie que ça a dû te faire un choc. Comment tu peux l'imaginer? Nous envoyons habituellement des groupes pour ces missions d'une grande dangerosité. Pardon de ne pas l'avoir mentionné plus tôt. L'essentiel est que tu sois encore en un seul morceau. Allez à la suivante. Pendant que tu t'occupais de cette faille, une autre est apparue. Puisque tu as corrigé la première sans problème, j'aimerais que tu t'occupes de l'autre également. Très bien, bonne chance. Ne perds pas trop de temps. What? Très bien, bonne chance. Ne perds pas trop de temps. Faut que je pensais faire quoi? La cible. Didacticiel 2, Batales. D'accord. Ah, j'imagine que c'est les combats de boss, mais cette fois-ci pas les Otsaru. Je vais prendre moi. Je ne peux prendre que moi. Ouh. Des jolis beaux hommes là. Batales. D'accord. Ok. J'ai que 4 barres. Pourquoi j'ai que 4 barres? Lors des missions XP, les boss utilisent des attaques que tu ne verras pas lors des quêtes ordinaires. Cette fois, nous allons parler d'attaques fragmentées. Les attaques fragmentées sont des techniques qui ne peuvent être évitées. Bien qu'elles ne fassent pas de dégâts, elles ont des chances élevées d'envoyer leur cible dans une autre dimension. D'accord. Pff. Oh là là. Ils visent bien quand même. Oh, je suis un caillou. Et donc? Ok. Et donc j'y trouve un Saibaiman. Plusieurs, non? Saibaiman. Maintenant dans cette autre dimension, tu devras vaincre ceux qui s'y trouvent avant de pouvoir continuer. Ça me semble logique. Pourquoi pas? Comme je suis censé aller plus vite en Super Saiyan 2, je vais me transformer en Super Saiyan 2. Hop! Après tout, pourquoi pas? Tu as gagné en sécurité l'endroit où se trouvait le chef, mais tu as remarqué les deux cristaux émettant une aura maléfique et une de la même aura. Les cristaux émettent une énergie mystérieuse qui augmente grandement la puissance de ton adversaire. Si tu ne te dépêches pas de détruire ces cristaux, tout risque de mal finir. D'accord? German Blue est de retour dans la zone. La question. Il y a pas beaucoup de dégâts. Hein. Ok. Mountain Dew 27 est dans la zone. Maintenant que les cristaux ont été détruits, la puissance de ton adversaire a beaucoup diminué. Il est temps de pourtant d'en finir. Ah, je l'ai entendu celui-là. Unissez vos forces pour utiliser une attaque combinée. What the... Au travail, voilà qui coule la leçon sur l'attaque fragmentée. Bonne chance pour la suite. D'accord, mais pourquoi tu me parles d'attaque combinée alors? Bon, c'est pas grave.
Ok. C'est moi qui ai fait le plus de dégâts. Ok. Je gagne 100 points d'XP. 333 points d'XP. C'est génial. Faut mieux dire que c'est génial. Faut pas chercher plus loin. Et c'est quand qu'on a le Super Saiyan God comme mes cheveux? Ok. Hello there, je m'en suis occupé. Heureux de te revoir, j'étais sûr que tu y arriverais. Les deux failles temporaires ont été grandement affaiblies. Tu ne vois aucune différence, t'en fais pas, les portails ont été affaiblis, je sais de quoi je parle. Une fois ces failles affaiblies, je n'ai plus qu'à les sceller pour qu'elles ne posent plus de problèmes. Bien sûr, une fois affaiblies, elles ne sont un danger pour personne, donc rien ne presse. C'est une vraie corvée de les sceller. N'hésite pas à en affaiblir autant que possible, ça te fera de l'entraînement. Si tu croises des failles temporelles, tu peux les affaiblir de la même manière que celle-ci. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Info joueur. D'accord. Le Bougoland. D'accord. Pourquoi le mec il est fier de mettre Roland sur son. Bref, je vais pas chercher plus loin. On va se faire une dernière quête secondaire, chers amis. Je pense. Et on repartira donc pour moi demain dans un nouvel épisode, je crois. Donc c'est ça. Hein. Il me reste combien à tourner cette semaine? Ouais, c'est ça. Hop, ça fait du monde de ce côté-là par contre. Sélectionne une quête à accomplir, oui bien sûr. J'ai pas la victoire là-dessus, du coup on va la faire. Explosion d'un mec, bas freezer. Ok, c'est parti. J'imagine qu'il faut que je le batte très rapidement, comme c'est le couac en fait de ce combat, entre guillemets si je puis dire, le gros buzz de ce combat, c'est le fait qu'en fait il est censé durer très peu de temps, et il dure près de 4 heures je crois dans le manga, dans l'anime original. Donc c'est dire à quel point le combat perdure. Enfin, nous allons avoir le Super Saiyan 3, ce qui risque de surprendre Freezer, normalement. Pas tant que ça. Ah ! Non, le mec était devant toi, pourquoi tu te retournes ? Ah ! Tiens, regarde ça! Ça te plaît? Boum! Frida! Hop! Joli! J'ai pas vu venir. Boum! Ah aïe, la vache. Je pensais pouvoir l'esquiver, mais en fait elle m'a suivi. Voilà, ça c'est fait. Ah, il arrive. Couleur, non? Ah non, c'est... D'accord. Donc là du coup ça me fait chier d'être tout seul d'un seul coup. Je vous raconte pas. Joli. Merde. Merde. Bien joué, le contre. Hop. Ok. Ça suffit pas. Meliodas, on l'a pas déjà combattu celui-là? Boum! Un matériau. Tu retournes au sol. Bonjour. Hop là. Hop là. La chope qui passe. Ah! Bien joué. Ok. Ok, c'est bon. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Hop. Ah. Par contre, j'ai plus d'énergie du tout là. Endurance, pardon. Oh, merci Vegeta, sympa. Hop, la chope qui passe.
Joli, joli sa chape à lui. Boum. Je vais essayer de l'avoir avec un... avec un super... Un Big Bang Kamehameha. X100. Ça va être short. Sauf s'il me fait ça. Je m'en doutais un petit peu que ça allait louper. Hein. Surtout maintenant que je le vois en train de frapper Vegeta. Vegeta qui a tout compris. Hein. J'y arrive. Hein. Alors, je vais avoir beaucoup plus de ki plus tard. Ça va être chaud patate. Je l'ai complètement foiré. Hop là, j'ai réussi à faire une parade parfaite, j'ai pas compris comment en fait, mais bon, pourquoi pas. Bon, bon, on finit en Super Saiyan 3, c'est cool. On a calé quelques ultis, on devrait l'avoir le... voilà. Badge 7 ans, badge 7 ans, la dernière mode, éclat de puissance, capsule d'énergie, capsule de régénération, taillette de la mort. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, on s'en sort bien mieux depuis qu'on a le Super Saiyan, hein. Si ça se trouve, en fait, il aurait fallu que je vais y voir Vegeta depuis le début. Mais bon, c'est comme ça. Krillin de matin un cours spécial dans le quartier des affaires. Mais ça m'énerve, la dernière fois qu'il m'a fait un cours spécial, c'était pour du lait. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué comme mission? Je vais juste voir ce qu'on a débloqué. Hein. Parce que je vous rappelle que c'est les fameuses missions qui en débloquent d'autres. La légende du Super Saiyan, double entaille de la mort, et puis c'est tout. D'accord, donc 23, 24, 25, il y aura encore celle-là à faire, il y en aura une entre les deux. Période de Son Goku, épisode spirituel, l'âme de Souther, d'accord. L'âme de Souther, je vais peut-être la prendre. Un truc mieux que toi. Hop. Krillin, qu'est-ce que tu chies? Oula, non, pardon Krillin, excuse-moi. Hop. Délivraison de lait? Non. Non. J'ai pas envie de ça. Pas envie du tout. Chapeau du docteur Gero? Non, non. Casquette de Kulilin. Kulilin. Non, non. Katana, non plus. Ok, pas grave. Au niveau des techniques, peut-être il y a des choses intéressantes. Je vais aller voir. De toute façon, je vais pas être très très riche en règle générale. Hein. Hop. Verdict. Onde de choc, bâton magique, y a pas de différence, je crois. Ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que je me doute qu'il y en a une des deux qui doit être moins bien que l'autre sur un point de vue. J'ai privilégié celle-là vu qu'en fait le ki remonte difficilement avec le Super Saiyan. J'ai toujours pas les 150 000. Cependant, je peux peut-être vendre des choses. Je vais avoir des... ouais, j'en ai pas suffisamment. J'en ai pas suffisamment pour le moment. Tant pis. Toujours ça de prix. Ok, bon c'est l'instant naze. C'est là où je fais mes courses. Bon, on va déjà commencer par ça. C'est pas grave. Je vais équiper celle qui... la technique que j'ai prise, pardon. Je vais l'équiper, je pense, à la place du Big Bang. Ce qui m'embête, mais ce qui me semble nécessaire, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, le Big Bang, il touche pratiquement jamais, hein. Je crois qu'elle voulait me parler, elle. Ok. Ok, ok. Alors, fallait que j'aille récupérer quelque chose ici, normalement. Tiens, je s'attends. Les vrais héros n'ont pas seulement besoin de puissance, ils doivent également protéger les autres en toutes conditions. Ce n'est que lorsque les gens te remercient en t'applaudissant que tu peux goûter à ce qu'est la vraie force. Oh.
Voilà! Je vais maintenant utiliser Monsieur Satan. Bon sang, cette pause, Monsieur Satan est incroyable. Ça te donne pas envie de montrer aux autres? En temps normal, je te demandais 10 000 zénis, et pour toi, c'est gratuit. C'est exceptionnel, je ne fais ça que pour tout. Je ne fais pas ça pour tout le monde, j'espère que tu le sais. Oui, bah, je me doute que tu fais ça pour chaque joueur qui vient te voir. Connexion en cours. Récupérer un cadeau système. Oh. Qu'est-ce que c'est? Meilleure performance, perruque du seigneur Zuno, d'accord. Médaille pété, d'accord. Costume branché, si tu veux. Ok, tout sélectionné. Tout accepté. Ok, et du coup, ça veut dire que j'ai obtenu un chapeau. Alors, attendez, j'ai envie d'aller voir le chapeau. Mon chapeau! Mon chapeau! Hop. Carval, sortie géniale. Oui et non. C'est très très moche. Ok. Bon. Technique, c'est bon. Changer les objets. J'ai envie d'en mettre parce que vous voyez que chaque fois, je me fais défoncer. Si c'est la même astuce qu'avant. Faut en mettre plein de différentes catégories. Comme ça, en fait, on peut utiliser plus de soins. Parce qu'en fait, ça, c'est pas les objets de soins qui sont remis en cooldown, c'est l'objet en question. Avant, je peux utiliser une petite et une moyenne de suite. Par contre, je peux pas utiliser deux petites de suite. Voilà, pour la petite astuce. Et bah écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, pour être les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!